Wow! Bonjour, bonjour et bienvenue sur 789e VOD Moemo avec Virus sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Alors, nous avons encore un event à Planète Une. Du plot, de l'histoire. Je sais, vous aimeriez voir très certainement des donjons. Et pour l'instant, c'est pas moi qui décide. Donc, on va suivre un petit peu l'histoire du jeu. Eh, mais est-ce bien la vérité? Ouais, c'est même pas une déesse, c'est juste une stupide petite fille, c'était une perte de temps. Je suis désolé, mais ça ne peut pas être... Pourquoi? C'était des fausses informations, hein? Eh ben, je suis plutôt contente de savoir que c'était un bug. C'est vrai, si une autre déesse avait vraiment existé, ça aurait pu être problématique de plus d'une façon. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que tu vas rembourser, comment tu vas nous rembourser pour avoir... pour nous avoir mis dans cette espèce de chasse sauvage. Mais je l'ai pas fait exprès, je pensais que c'était pour le bien de tout le monde et je ne pensais pas que... Ton intention mise à part, le résultat final, c'est ce que tu vois. J'ai fait tout ce chemin là-bas, et en plus on s'est foutu de ma gueule. Juste de penser à ça, ça me rend furieuse. Je ne l'ai jamais cru. Non, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi, calmez-vous. Je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai jamais. Je demande des excuses et des réparations. Comment c'est possible? La nature un peu bébête de la petite Rey n'est pas nouvelle. Pourquoi ne pas les laisser tranquilles? Où est-ce que j'ai bien pu me tromper? Mais à propos de ça, cette stupide petite fille, de quoi a-t-elle l'air? C'était comme une super stupide, débile, grosse... idiote. Non, je voulais plus dire son apparence ou son nom. Tu poses beaucoup de questions. Très bien, peu importe. C'est une fille avec des cheveux violets courts. Elle a l'air très jeune.
Je crois qu'elle s'appelle Neptune. Oui, j'ai gravé son nom profondément dans ma psyché. Neptune. Tu as dit Neptune ? Des cheveux violets, Neptune ? Mes infos étaient vraies alors. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Neptune. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ton visage est encore plus crispé que... et il a l'air pire que d'habitude. Qui a le visage qui est encore pire que d'habitude ? Ne fait plus un seul couinement, espèce de rat qui vaut rien. Neptune, pourquoi ? Je ne reconnais pas ce nom, mais l'entendre fait bouillir mon sang. Devrions-nous ajourner cette réunion ? J'aimerais retourner à mon bureau et travailler tard, encore une fois. Oui, bien sûr, je suis désolé à propos d'aujourd'hui, tout le monde. Ne t'inquiète pas de ça, ma chère. J'adore ton visage quand tu es sur le point de pleurer. Cependant, il est plus amusant pour moi de faire en sorte que les filles fortes et indépendantes sombrent dans les sanglots. Ok, alors continuons à travailler sur nos propres projets. Tu n'as pas besoin de nous le rappeler. Désolé, j'ai agi de façon présomptueuse. Oui, attendez, pourquoi ne pas ajouter à l'agenda à qui c'est le tour ce mois-ci ? Ah, mince alors, ça devrait être moi, j'ai complètement oublié. Quelle nuisance. Même si j'adore en collecter plus, mes efforts sont typiquement vains. Non, ne dis pas ça, les déesses la déesse de Planétune existe parce que tu parles comme ça. Nous ne pouvons pas laisser en plus de pauvres petites filles se transformer en ces dégoûtantes déesses. Ok, j'ai compris. Je vais échanger avec toi pour cette fois. Magicon, tu ferais ça pour moi ? Tu serais d'une grande aide, mais c'est rare venant de toi. Pourquoi cette offre ? Je le sentais juste comme ça. Hé, Laura, tu viens avec moi.
Pourquoi je dois y aller ? Arrête de te plaindre, tu pourras porter mes bagages. Neptune. Ça pourrait être bien de voir son visage juste une fois. Et pas forcément au chalet. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Bien, super. Avec trois d'entre nous, le travail va beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Naturellement, avec moi dans les parages, la plus grande des... On va dire la plus fatigante des tâches ne devient juste qu'une petite tâche. En gros, comment dirais-je ? Parce qu'en fait, non mais voilà, on va garder cette expression-là parce que ça ne sert à rien de traduire ça. Donc voilà, quand je suis dans les parages, la plus grosse des tâches devient une tâche normale. Ah, tu étais sur notre chemin la plupart du temps. Ok, bon, je ferais mieux d'y aller. Bon, bah moi aussi. Non, pas besoin. Si tu viens avec moi, ça prendra juste plus de temps. Attends ici. Hein, Noël, ça en va toujours toute seule après avoir fini son travail? Oh, elle m'a laissé derrière. Elle me demande bien où est-ce qu'elle se faufile. Si elle ne te prend pas avec elle, alors... Ah, mais elle a peut-être un rendez-vous avec un protagoniste masculin sans visage qui est peut-être apparu dans sa vie. Je ne pense pas que Noir irait à un rendez-vous. Oui, c'est vrai, je suppose que t'as raison. On parle de Noir après tout. Mais si elle va pas en rendez-vous, alors où est-ce qu'elle va toute seule? T'as une idée, Pululu? Ah oui, elle cherche pour la mémoire des déesses, la Megami Memory. Ah, le truc qui change de classe pour les déesses, pas vrai? Même après que je sois devenue une déesse, Noir a continué à en chercher un tous les jours. Tous les jours? Voyons, elle se donne beaucoup de mal, cette fille. Mais cet item ne respawn que tous les 200 ans ou quelque chose comme ça, pas vrai? C'est vrai, mais elle dit qu'il y a toujours des possibilités, donc... elle n'est pas seulement diligente, mais elle prend les choses vraiment bien trop au sérieux. Elle est comme ma Noir. Et donc, si ce truc spawn, alors est-ce que Noir deviendra une déesse ? Noir-chan nara, 絶対に女神になれると思うし.
Je suppose. Je suis sûr que Noir sera capable de se transformer en déesse. Eh, hey, c'est pas juste, elle essaie de prendre d'avoir une étape d'avance sur moi. Je ne peux pas rester assis ici en sachant ça. Ah, je vais aller la chercher. Mais Noir a dit qu'on devrait attendre patiemment ici. Allez, assez d'hésitation. Ou je te laisse ici. Non, je te laisserai ici si tu ne suis pas le mouvement. Hey, attendez-moi! Noir ne fait plus partie du groupe, mais en soi c'est pas très très grave. Bon, il nous reste quelques minutes, alors on va peut-être aller voir ce qu'il y a. Oh, c'est la guilde ou c'est aux infos? Non, c'est les infos. Alors, histoire. Oui, d'accord, bon, elle est toujours dans son trip de chercher un point d'accès. Si je dis peureux plein de fois... on dirait que je dis péon. C'est ce que Nepetian a dit. Mais je demande ce qu'elle voulait dire par là. Et si je ne me dépêche pas de devenir une déesse, ça va sentir mauvais pour moi. Et si je deviens plus grande. Mais les gens qui me suivent vont être déçus aussi. Et la dame qui a la charge de me dessiner pourrait avoir des problèmes avec également. Oh là là, il y a du méta partout dans le jeu, quoi. Donc oui, comme vous le savez, et ce n'est pas un gros problème pour moi... d'avoir perdu Noir de l'équipe, parce que de toute façon, en soi, mon équipe, c'est ça, voilà. Et c'est absolument pas les personnages principaux. Bien entendu, j'ai fait de Marvelous AQA le personnage, enfin, le leader de l'équipe. Et bonsoir, Ash. Cependant, on va s'arrêter ici pour cette VOD. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Je vous fais des bisous, à la prochaine et surtout hashtag amour viril.